Buenas noches les poucaves, comment est-ce t'as bien? Ça va la famille ou quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc la famille devait ce week-end faire une vidéo à la crêperie là, galante là, comme vous m'avez dit. Je vais le faire avec un pote, mais j'ai pas reçu le nouveau matériel parce que j'ai commandé du nouveau matériel vidéo et je voulais vous faire une surprise, donc j'attendrai la semaine prochaine. Petit du quick pour y retourner parce que là ils ont fait un nouveau burger au saumon. Le suprême saumon. Vous avez vu, j'ai acheté un tableau. Et avec ce tableau-là, je vais noter ici, par exemple, quand je pèse les frites, enfin, quand je mesure la masse des frites, pardon, excusez-moi, on va parler en termes scientifiques, hein, on est entre scientifiques. Hein. Donc la famille, El Famoso Pucav, El Famoso El Niño, et El Famoso Somon. Donc j'enfile les gants, et en attendant, je vous passe la méga intro que j'ai faite avec Steven Spielberg et James Cameron, j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Donc la famille El Famoso Pucav, je replace la caméra bien en dessous, hop, on va mettre l'assiette on, je l'allume, j'appuie sur tar la Pucav, voilà, et là on va commencer par les frites. Donc on va peser les frites, mais avant les gars, ouais, je vais parler du prix, El Famoso Pris, presto, comment on dit prix en espagnol? Oh j'ai perdu, moi. Ok la famille, le ticket il est resté collé sur le Famoso Boisson. Alors, Maxi, menu, ça a fait en tout 18,80, parce qu'on en a pris deux, je suis avec un collègue, dis bonjour. Hi. Voilà, il a dit bonjour. Donc c'est un pote qui est venu manger avec moi, c'est un très très bon gars, donc il cherche une femme, non, je rigole. je rigole, 18,80€, c'est-à-dire 18,80€ divisé par 2, ça fait 9,40€, c'est ça? 9,9€, 18, 40, ah là, je suis pas calcul mental, la famille. 9,40€, ça fait super cher pour un menu Maxi, hein. On va peser les frites. Vous vous souvenez des frites, là, des autres vidéos? Je vais les marquer dans le tableau la prochaine fois. Hop là, les frites, El Famoso Papa Frita, voilà, on a 155 grammes de frites. Voilà, 150 grammes de frites, on va les goûter. Ah, il n'y a pas de sauce, si, mais ketchup, bismillah. Bah, ils ont ramolli à cause de la distance, parce qu'on est parti à, c'est où, vers Pigalle. Donc les sauces mayo ketchup, voilà, traditionnel. On va passer, la famille, à la boisson. Vous vous souvenez de la boisson? C'est un Coca Zéro qui fait pas de bulles. Mais on va faire le test de bulles, juste pour le fun. C'est du café froid, frère, regarde. Il n'y a pas de bulle, c'est du café froid, ça. Je vais goûter quand même. C'est dégueulasse, c'est du sirop de cola. Attaque le sandwich, attaque. Donc, je vais vous montrer une technique, comment bien nettoyer en un seul clin d'œil, regardez. Vous avez vu ça? El Famoso Sandwicho. Hop, la Pucav, tahar. Et là, les gars, hop. Déjà, la boîte, elle est sexy, tu vois. La boîte, on dirait on va manger du bacon, tu vois. On dirait on va manger du cochon. Alors que c'est du saumon. Une boîte de chaussures. C'est des Air Max, frère. Attention, je l'ai jamais vu ce sandwich. Attention, à la une, à la deux. Ah, je vous ai pas raconté la dernière fois. Ah, je rigole. Il est sous. Hop là. Déjà, il a l'air gros, hein. Franchement, regardez. Il est gros, hein. J'aime bien le pain. Alors, première chose qu'on va faire déjà, on va mesurer sa masse. Regardez, il y a des bouts de saumon qui traînent et tout. Hop. On néglige rien. 294 grammes. Ah, c'est là, bon. là, franchement, ah. Franchement, chapeau, hein, parce que d'habitude, les quick, les machins, les longs fiches et compagnie, je sais pas si c'est ce poids-là, hein, pour ceux qui sont forts en calcul mental, ben, vous faites le calcul mental. Et là, mesdames et messieurs, nous allons appeler El Famoso Niño pour la dissection. La dissection. Hola, señor, comment ça va bien? Alors, on va regarder il y a quoi dedans. Est-ce que je devrais... ouais, je vais peser les ingrédients, hein. Je vais mesurer les ingrédients, donc j'enlève les frites de l'autre assiette, je la mets ailleurs. Donc tard. Moi, ce que je veux faire, les gars, la famille, ce que je veux faire, c'est premièrement, c'est, on va... Oh, le saumon, ah, c'est... Ah, d'accord. D'accord. Vous avez vu comment c'est fait dedans? Ils ont mis des tranches de concombre, ils ont mis des petits carrés de saumon, et... Hein, c'est quoi? C'est un pavé de saumon frit, ça? Exactement, c'est un pané de saumon. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas fait les rats, franchement, ils ont pas fait les rats, la famille. Bon, on va peser le poisson. 95. Puis les petits bouts là, les petits bouts. Ok, la famille, donc 120 grammes. 120 grammes pour le saumon. Hop, je vais aller noter tout ça. Maintenant, la famille, on va mesurer le poids du reste. La famille, on va mesurer le poids du reste. Tard. Bon, la famille, le fromage, il a trop fondu, je peux même pas l'enlever du pain, je vais, tu vois. Ah si,
Après, on va pas peser le fromage. Hein. Ça fait partie de la garniture. Mais le fromage, ils ont pas fait les rats. On dirait une espèce de du gruyère ou du cheddar. J'en sais rien, hein, tu vois. Les crudités. Franchement, chapeau avec les crudités. Hein. Là, ils ont vraiment fait un effort avec les crudités. Ils ont mis des concombres pour avec de la salade. Après, bon, la salade, on dirait pas de la vraie salade. On dirait des pissenlits. Je crois qu'ils ont mis des pissenlits avec 2-3 petits bouts de salade. Mais ça se mange, hein, les pissenlits. Hein. Je sais pas si vous avez déjà chassé des pissenlits avec votre daron dans la nature. Mais ça se mange. Hein. Donc, les gars, en gros, le pain avec les crudités, ça fait 165 grammes, 166 grammes. Donc, après, il y aura quelques petits grammes de différence. C'est tout à fait normal. C'est par rapport aux petits résidus qui traînent. Donc, on va refabriquer le sandwich, la famille. On va le goûter. On va le remettre comme il était. Hein. Oh, tu sais quoi, j'ai une nouvelle solution. Regardez comment je vais faire. 1, 2, voilà. Vous voyez la famille, comment je suis rapide. Oh là 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 là. J'aurais pu tricher, hein, prendre le deuxième et le mettre dans le machin, mais non. Je vais le goûter, la famille. Hein. Je vais faire un gros croc dedans, un gros croc de crevard. Et je vous dis tout de suite mon premier ressenti. Bismillah. Franchement, je suis choqué. Il est bon. La vérité, il est bon. Le fromage, il est bien choisi. Le pavé de saumon, il est bon. Quand tu croques en même temps dans le concombre, c'est très très bon. Et les petits bouts de saumon dessus avec la sauce. Franchement, c'est un sandwich qui est réussi. Tout est réussi là-dedans. 154 grammes de frites, ça va. 294 grammes le sandwich et 120 grammes de saumon. Le seul truc que je dirais, c'est chaud, c'est le prix. 9,40€. S'il vous plaît, Quick, mettez-le moins cher, mettez-le en dessous de 8€, mettez-le à 7€ s'il vous plaît, parce que 9,40€, je sais que le saumon ça coûte cher, mais on n'est pas des pigeons. Franchement, bien. C'est bien consistant, gars. Fraîcheur un peu de la nette, du saumon dessus, l'amertume de la salade là. C'est du mesquin, ce mesquin-là, je crois, ça s'appelle cette salade, ouais, ouais. Toi, t'es doué en repérage de. Et le pavé de saumon, il est bien. Hein. Ouais, c'est, ils sont pas foutus de Dieu. Hein. Franchement. Eh, hey, n'oubliez pas, les gars, je vous fais un récapitulatif sur mon tableau. Ça, après, je vais l'enregistrer sur un post-it. Mais il vous reste plus que 9 jours à partir d'aujourd'hui si vous voulez le manger. Après, c'est fini. C'est offre spéciale. Par contre, allez-y juste pour le goûter, les frères. Parce que 9,40€, moi, je le valide. Mais à ce prix-là, je le valide pas, tu vois. Donc, merci la famille. Voilà, merci la famille. Donc, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, le Galanté Crêpe, on va le faire. Il y aura du nouveau matos. Il y aura des gens avec nous, on va pas le faire tout seul. Et je vous donne rendez-vous jeudi, parce que jeudi, je serai au Harris Café à Bondy. Avec le Bondy Blog, on fera un live sur Facebook et je vais disséquer des choses en live. Je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas, dans la communauté, dans YouTube. En attendant, lâchez des coms. Chieux !